Salut, bienvenue sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle par la voie de la pointe Saint-Mathieu en Bretagne. Aujourd'hui, c'est l'étape qui va de Brecq à Vannes. Je vais la faire de Sainte-Anne-d'Auray jusqu'à Teix. C'est une très belle étape, beaucoup de nature. On se retrouve en fait le long de pistes cyclables et dans un bois très boisé. On va retrouver des terrains de la terre, le sol de la terre bien aplati, souvent pour le passage des vélos. Ça a été adapté de façon à que toutes les zones marécageuses soient recouvertes de ces lattes de bois. Alors c'est une zone assez touristique. On est juste à côté de Sainte-Anne-d'Auray. On retrouve des pèlerins qui marchent, eux, vers Sainte-Anne-d'Auray. J'ai croisé personne qui va dans mon sens, mais pour ceux... Ils sont toujours soit devant, soit derrière. C'est une étape très accessible. Elle fait 27 km si vous partez de Brecq jusqu'à Vannes. C'est une très bonne saison pour partir. Et là, on est le 22 septembre, journée ensoleillée. À ça, je recommande. En ce qui concerne le matériel pour une telle saison, vous voyez, j'ai pris beaucoup de vêtements sans manches parce qu'il fait chaud malgré tout. On transpire vite. Un tapis de sol, une tente. J'ai le sac de couchage à l'intérieur. Je vous ferai un tour du sac plus tard. Le tapis de yoga de voyage pour qu'il soit le plus léger possible. Et comme vous voulez le voir, j'aime beaucoup marcher pieds nus. Comme je ne connais pas nécessairement ce chemin, il risque d'y avoir des zones de route. J'ai tout de même pris une paire de chaussures de marche que j'ai déjà usées. Hein. C'est important d'avoir marché dans ces chaussures puisque malgré ces chaussures dans lesquelles j'ai déjà marché, par exemple, j'ai dû faire 8 km en chaussures et 8 km pieds nus aujourd'hui. Et en chaussures, j'ai déjà ressenti un début d'ampoule qui aurait presque pu arriver. Par chance, il y a beaucoup d'herbe sur ce chemin, donc on peut marcher confortablement dans l'herbe.